Samuel, de nous présenter un petit peu eh bien, ta solution. De quoi s'agit-il ? Bonjour tout le monde. Fort et clair. Oui, bon, bienvenue tout le monde. Merci de nous recevoir, premièrement. On est ici au Salon BIMworld. Je pense que c'est notre quatrième participation. Là, c'est dur de... Il y a eu une pause avec la COVID, donc je ne suis pas certain si on a manqué une année ou deux. Mais bref, on est très heureux ici d'être à Paris, de venir voir nos cousins français. Ça a été un super bon salon. On est vraiment super en joie. On repart la tête remplie d'idées. Donc nous, ce qu'on fait chez Joplus, on est des créateurs de logiciels depuis maintenant 36 ans. Donc vraiment, on a une expertise d'arpentage pour tous les logiciels AEC, là, donc architecture, engineering et construction. Par contre, on est à BIMworld, donc je vais vous parler un petit peu de notre produit phare, notre produit vedette. On est venu ici présenter beaucoup Vision Lidar. Donc, c'est une plateforme desktop qu'on a développée il y a quelques années, qui traite le nuage de points. Par contre, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une réticence. Il y a beaucoup de gens qui ont peur un petit peu d'aller vers le nuage de points parce que c'est, évidemment, comparativement à la station totale. C'est complexe aussi. Enfin, c'est vraiment de l'ingénierie. Il faut des data, il faut faire aussi. Exactement. C'est ça que les gens sont un petit peu réticents. Ils ont peur parce que c'est énormément lourd à traiter. Ça prend des bonnes machines. Ça prend énormément de temps à traiter. Je suis désolé si j'ai des anglicismes. C'est Montréal qui ressort. Et je te rassure, on a aussi des focus. Tu seras peut-être invité sur My Global Village. No problem, on est tranquille avec ça. Ça me ferait plaisir. Fait que, ça c'est un autre anglicisme, hein. Où j'en étais? Oui, c'est ça. Fait que Vision Lidar, fait qu'on s'est vite rendu compte que le nuage de points c'était beaucoup trop dur à traiter. Les gens, ils fuient comme la peste au début parce que c'était trop time consuming. Fait qu'on est arrivé avec la classification pour alléger puis vraiment venir traiter le nuage de points parce qu'on pourrait bien avoir ici, les gens ne voient pas, mais on est dans une salle, on pourrait bien avoir 2 millions de points pour cette salle, on n'en a pas vraiment besoin pour un mur. À la limite, on pourrait avoir 5 points et ça ferait le travail bien en masse. Donc, on est vraiment trouvé des solutions pour venir classifier, venir alléger ce point de cloud-là. Et depuis, on a commencé à y penser en 2020. En 2021, on est arrivé avec une solution de deep learning. On utilise l'intelligence artificielle. Avec l'avènement des technologies, les nouvelles cartes GPU, on est capable de faire de l'intelligence artificielle sur les nuages de points en trois dimensions. Oui, donc ça, là, c'est vraiment une interface énorme, enfin, qui est un changement de paradigme à la limite. Exactement. Très concrètement, donc beau salon, lançons un appel aussi sur les communautés francophones, en Afrique francophone, Amérique, je pense que tu vas débrouiller comme un grand, mais en Europe francophone aussi. Tu cherches des partenaires, tu cherches des investisseurs, des clients ou on cherche de tout. On cherche évidemment des clients. S'il y a des gens qui veulent nous distribuer, mais on veut surtout être un vecteur de changement dans l'industrie, que les gens aient plus peur justement d'aller vers le point cloud, vu qu'on est capable d'accélérer ces processus-là de traitement. On est capable d'extraire des schémas de points et vraiment être le plus efficace. Ça fait que oui, on va être un changement de l'industrie. Fait que distributeur, client, on vous invite à nous contacter au geo-plus. Samuel, au village des francophones, on a besoin d'experts, gens qui créent des ponts. Tu es chez toi au village, tu interviens quand tu veux. Un grand, grand, grand merci. Merci à vous. Merci tout le monde. Allez, je me retourne maintenant.